dope, they getting rough. You can find me in the club, bottle full of bub. Mama, I got what you need, if you need to fill the buzz. I'm into having sex, I ain't into making love, so come give me a... Hey, hello les girls. Hey. Donc aujourd'hui on va aux États-Unis pour découvrir un peu ce qu'ils mangent. Donc un peu d'appréhension, j'ai l'impression. S'ils vont bien et tout quand même. Ouais, ça va la famille. J'espère que vous allez bien, hein. On se retrouve pour une dégustation américaine. Ouais, donc. On n'a pas regardé. Enfin moi, c'est moi qui ai choisi, donc lui il sait pas ce qu'on va manger. On n'a jamais goûté. Et pourtant on est parti en Amérique. Ouais, je disais ça, on est parti en Amérique, mais on n'a pas mangé ce qu'ils mangeaient à part le McDo, des trucs comme ça, mais sinon... On a goûté quelques trucs, mais le peu de trucs que j'ai goûté, franchement, c'était pas bon, enfin, c'était trop. Ou les trucs connus, style de Pringles, niveau chips et tout. Ouais, c'était Canada et Amérique, ouais, bah de toute façon, allez voir notre vlog si vous l'avez toujours pas vu, bon, Canada, pas terrible, Amérique. Hein. Canada, déjà, c'était pas terrible, et Amérique, ça semblait être pareil. Du coup, on s'attend pas à quelque chose d'excellent. On n'a même pas mangé à midi exprès pour pouvoir vraiment goûter précieusement, c'est-à-dire vraiment avoir faim. J'ai une dalle. Alors, tu veux commencer? Alors, je vous montre le carton. Donc, j'ai commandé chez American Market. C'est un site assez connu en France, donc j'ai reçu ça rapidement. Des chips à la mangue et au manioc. Ah, Colanta. Attends, dans un tranquille. Ce soir, je vais manger au tacos. Au tacos. Ça sent déjà faim. Ça sent le fruit. Ça sent har. Non, ça va. Ça goûte quoi, ça, déjà? Franchement, je comprends pourquoi ils mangent le manioc. Extrême fin, tu le manges. Mais sinon... Non, franchement, c'est bon. Non... Enfin, c'est bon. Enfin, pour moi, ça a le goût un peu des chips soufflés. J'ai l'impression que c'est ce qu'ils mettent, au-dessus. L'épice qu'ils mettent au-dessus qui fait le goût, en fait, au final. Bah oui, c'est tout fait, justement. Allez, next. Suivant. Il y a ça qui était trop chelou, Mohamed. En fait, c'est des snacks... genre semi-salé, semi-sucré, je crois. Alors, c'est des petits poissons. On dirait les gâteaux qu'on achetait en quantité de... avec différentes formes. Ah, les mille biscuits, là. Ouais, les mille biscuits, là, à Carrefour. Ça s'appelait mille biscuits. Il n'y avait pas l'alphabet et tout. C'est mémoire. Les gâteaux qu'on mettait le mercredi après-midi. C'était un sac de mille biscuits, en fait. Tous les mercredis après-midi, chez tout le monde, il y avait ça. Je sais que les gamins, ils étaient conquis. Ah, je suis déjà blindée, là. Le truc qui me donne envie depuis tout à l'heure, c'est ça. Bah, moi, pas du tout. En fait... La guimauve, ça ressemble, je sais pas quoi. Coconut, chocolate cake. Oh. Tout pâteux. En fait, j'ai l'impression que c'est des boules coco de chez le restaurant indien. Moi, j'ai le restaurant chinois. Bah, si, ça doit être ça, ce truc. Ah non, mais si t'aimes pas mal les chats. Oula. Je sais pas comment ça sent. Oh, c'est goût chocolat. Oh, j'aime pas trop moi. Ah, t'en mets partout sur le tapis. Non, j'aime pas. J'aime bien pas. Vous voyez la bouche qui fait? C'est qui sonne à la porte, je vais goûter. Attends. Je vous disais, vous voyez la grosse bouchée qu'il a fait là? Et bien, des fois quand j'ai un petit sandwich et que j'ai trop la dalle et que je lui ai demandé avant s'il veut un sandwich et qu'il me dit non et qu'après quand j'ai le sandwich il me dit je peux faire un croc, un petit croc, ben c'est ça le gros croc qu'il fait, ça m'énerve. Elle parle, elle partage, même une frite elle te la donne pas. Tu vois, elle en a peut-être si, 30 dans son frites, plateau. Juste les frites. Une. Non, quand on reçoit le sandwich avant, une frite. Ah, je la donne, mais ça m'énerve. Elle va te faire une manière, elle va te faire, waouh, scandale. Tu touches pas. Non, mais c'est des frites. C'est des frites. Bon, allez, avançons.
C'est juste que tu lui donnes un croc. Okay, okay. C'est pas il te fait un croc. C'est, il te mange la moitié du sandwich en une fois. Ça t'énerve trop. Ah, c'est ça qui est sucré salé. Ça s'appelle des combos baked snakes. Sweet and sweet. Wow. Ça m'a dégoûté. C'est il craque. Il se craque. Il donne pas du tout envie le truc. Non, mais c'est comme, je crois, des bretzels au chocolat. On a faim, on accepte tout. Ça me rappelle en fait les bonbons. Jamais tout me rappelle comme ça. Les bonbons coffee là, café, comment on les appelle? Crème café, je sais pas quoi. Les originals. Original, c'est mémoire ça. Excuse-moi, ça c'est connu en Amérique, je crois. C'est la barbe à papa. Oula, ça va être immense ce truc. Ah! De la barbe à papa. Barbe à papa dans un paquet de chips. Dans un paquet. Paquet de chips. Genre, il n'y a que des chips qui peuvent se mettre dans un sachet. Bah oui, normalement, c'est un paquet qui est conçu pour des chips. Ouais. Ouais, c'est bon, t'as remarqué? Bien sucré. Hein. Bon, valide. T'as validé au fait les trucs au chocolat sucré salé? Ouais, oh, sans plus. Vas-y, t'as soif un peu ou pas? John Rancher. Jolly Rancher. C'est du soda à la framboise bleue. Je goûte en premier. Ah, c'est du Powerade bleu. C'est sucré, hein, comme d'hab. C'est sucré, mais c'est bon. Je fais soif, ça. Quand tu bois, tu fais toujours ça. T'aimes pas? Bon. Mais ça a le goût du diabolo. Bah, diabolo. Oh. Le sucre, c'est impressionnant. Bien, on goûte un bonbon qui pique. C'est un bonbon atomique. Oh, t'as pu. Ah ouais, ça arrache là. Ah, t'as pu là. Clou de girofle. Ça a pas le goût du clou de girofle. J'ai jamais goûté le clou de girofle. Bah si. Non. Bah quand tu mets pour ta dent. Là, ah oui, le clou. Non, je pensais pas à ça. Mais... Les huiles essentielles de clou de girofle. Pas le goût de ça, franchement. Ça pique et tout. Ah. Genre, on n'aurait pas dû manger ça maintenant parce qu'on... Bon, désolé, j'ai craché ça. On n'aurait pas dû manger ça maintenant. Tiens, des peanuts, butter. C'est parti. C'est quoi? Ah, ça, ça a l'air d'être bon, ça. C'est des petits rouleaux avec du beurre de cacahuète. Ouais, on dirait les tubes. T'as trop le beurre de cacahuète. Eh, ça m'a tué, les bonbons, là. C'est des bonbons au poivre. C'est pas des bonbons. C'est bon? Non. Non, mais c'est à cause des bonbons. Non, le biscuit, il a pas de goût. C'est normal, à l'intérieur, il y a du beurre. Après, il y a que la beurre de cacahuète. Mais quand même, le biscuit doit être goûteux. À part de celle des tucs, tu vois, il y a un goût. Là, tu sens que le beurre de cacahuète, en fait. Non, ça passe, c'est parce que... Je suis sûr que c'est à cause des bonbons, on nous a anesthésiés. Elle était vénère, qu'est-ce qui t'arrive? Oh, je suis énervé, là. Il est énervé dans la vidéo, il veut tout. Qu'est-ce qui t'arrive? J'ai faim. Je vais manger du sucré. Oh. Je te jure, j'ai pris le sucré pour toi. Je me suis dit, Mohamed, il kiffe les chocolats. Ah bah ouais, c'est franchement retiré ça. C'est abusé le sucre qu'ils mettent dedans. Oreo brownie. Mmh, j'aime bien les brownies. On dirait un pavé de sucre, le truc. Une brique de sucre. On dirait une brique de sucre chocolaté. Déjeuner, ça passe. Hein. Si on avait vraiment faim, enfin, vu qu'on vient de manger plein de trucs, franchement, ça va, il était bon. Donc, c'est Oreo Brownie, franchement, il est bon. Mmh. Ça, en fait, c'est du sucre, toujours. C'est, vous savez, comme nous, on a avec les petits sticks et puis le Nutella, mais là, c'est du chocolat avec du beurre de cacahuète. J'ai un kiff, c'est du fromage, tu vois, de vache qui rit. Il kiffe le beurre de cacahuète. Déjà le truc, tu te casses la dent. Moi, j'aime pas. J'aime bien le beurre de cacahuète. Mais là, c'est du beurre de cacahuète sucré, on dirait. Bah oui, il est avec du chocolat, mélangé au chocolat. Moi, j'aime pas. Ah bah oui, ouais. Je comprends. Ah non, j'aime pas. Oh. C'est trop. Moi, je suis pas...
Je suis vraiment pas trop beurre de cacahuète déjà de base parce que lui il kiffe la cacahuète. Enfin, j'aime bien. Chips aux cacahuètes. Moi, incroyable. C'est du sucre noir en fait. Oh bah voilà, bah qu'est-ce que t'en penses toi? Ah, franchement, pas fameux, hein. Ça me donne même pas envie de goûter un truc. Moi de base, je croyais trop que c'était trop bon les trucs américains. Bah, tu sais, je me ouais, disais. Springles, cookies. Springles. Il y a toujours des mots que tu réinventes, c'est dingue. Ça me fait. Oh là là, ça te déprime. J'ai qu'une envie, c'est d'aller manger là un bon truc. Un bon petit sandwich. Hein, au tacos taille L. Oui, c'est bon. Taille L. Mmh, la dernière fois que t'as pris taille. Ah oui, taille L. Une fois, t'as pris XL. Ah, plus jamais XL. T'es c'est la taille de mon avant-bras. Tu l'as mangé en plus. Il m'est resté. Allez, c'est là. Il a fait. Et puis, comme un pélican. Et pas bourré. Elle va Ivanov. Oh, tu as... Bref, si vous avez envie qu'on fasse d'autres challenges, d'autres vidéos, que monsieur la puissance revienne, la puissance de rien du tout, voilà. Ça m'énerve aussi, sûrement ça m'énerve. Elle est un peu énervée, je vous parle de sa blague. Vous n'êtes pas obligé de dire oui, vraiment. Hein. Dites-moi ce que vous voulez qu'il fasse. C'est pas grave. Dites-moi si vous voulez qu'il fasse le ménage, un truc tu vois, qui me sert quoi. Un truc qui me sert, bah voilà, qui mange, c'est ce qu'il fait déjà tous les jours, toutes les secondes, toutes les minutes, autre chose quoi. Non, si vous aimez bien ma compagnie, si vous voulez même que je fasse des vidéos tout seul. Attends, il y a une abonnée, elle m'a dit, Salima, tu sais ton hall Primark, ça serait bien, ouais, fais-le, et ça serait bien que c'est ton mari qui présente. Je dis, ouais, au final c'est ma chaîne ou c'est quoi? Ouais, ça serait bien. Bah fais ta chaîne, laisse-moi tranquille. C'est ma chaîne. Présentateur. Bref, alors comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et surtout à vous abonner. Oui, c'est bientôt fini, Yassir. C'est bientôt fini. C'est pas tout. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner, à faire tout ce que vous souhaitez. Voilà, tant que. À nous donner vos avis si vous avez mangé vous aussi et que vous avez trouvé ça bon par rapport à ce qu'on vous a montré. Si vous voulez d'autres challenges, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse. Bref, on est là, on est à. Donc voilà. Je crois que moi je parle plus fort que toi là. Faut que. Hein, tu augmentes un petit peu. Ouais, j'ai pas besoin de parler fort. Ce que je dis c'est le plus important. T'as pas besoin de parler fort, voilà quoi. Mais voilà, on vous fait plein de bisous. Et à bientôt. Très vite pour une nouvelle vidéo. Merci encore. Bye bye. I'm fear, I'm better turn it up, it's the next year. I do things that I shouldn't, I did what they said I couldn't. I'm still with the same team that I came up with, not like Drew Gooden. God would never put you through a situation that you can't deal with. I know when I speak, y'all feel it. My cup's low, can you feel it? I'm pouring up for my loved ones and my dead friends that ain't make it. When life get hard and it get rough.